Alors, on est avec nous, Carline Joseph, c'est ça? Présenté. Oui, ouais. Carline Joseph, nom de mariée Guillaume. OK. Ouais. Et vous êtes aujourd'hui porte-parole de Miss Black Beauté International. Oui, Miss Black Beauty. Et marraine aussi du concours. Oui, c'est bien ça. Je suis marraine du concours Miss Black Beauty International aujourd'hui et la porte-parole également du concours. Je pense que c'est un honneur pour moi lorsque Laurette Midi m'a demandé de m'introduire et de m'impliquer dans le concours. Ça m'a permis de pouvoir revenir dans mon élément, dans ce ouais, que j'ai toujours. Parce que vous avez été déjà Miss. Hein? J'ai été Miss Haïti Canada en 87, j'ai été Miss Black Québec en 88, j'ai été Miss Haïti America aux États-Unis en 89, okay. J'ai été première dauphine du concours Miss North American Beauty Pageant à Vancouver et j'ai été également première dauphine au concours Miss Interuniversitaire USA aux États-Unis. Wow! Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes marraine de ce concours-là. Oui. Et en quelques semaines, vous avez déjà combien de candidates? Pour te dire, officiellement, on en a 10 qui se sont inscrits. Ça fait seulement 3 semaines que les inscriptions ont commencé. Et j'ai senti l'engouement parce que dès que j'ai accepté mon rôle auprès de Laurette Midi, j'ai tout de suite pris ma page Facebook, qui est quand même une page avec beaucoup de personnes, ouais. Et les gens me connaissent beaucoup, et j'ai commencé à promouvoir le concours à travers ma page Facebook. Ça a eu un aspect instantané. Okay. Les jeunes filles que je connais, de bouche à oreille, j'ai demandé à tous mes contacts de partager l'information. Les gens ont commencé à nous appeler, nous demander des formulaires. Les formulaires rentraient par message texte, les formulaires rentraient par inbox Facebook et par email. En tout cas, on sent l'engouement des jeunes filles d'aujourd'hui de vouloir s'impliquer dans la communauté noire. Ce sont des jeunes filles de 16 à 23 ans. Il y a même des répercussions qui en Haïti. Il y a des filles en Haïti qui voudraient participer. On a reçu 3 appels par 3 messages inbox de Facebook nous demandant qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir impliquer, pour pouvoir participer au concours okay. à Montréal. Donc, ça a été une grande surprise pour nous parce que les cris, les échos du concours ont été jusqu'en Haïti. Ouais. Et c'est pour ça. Et parlez-moi de cette dizaine de beautés qui sont déjà inscrites et puis qui ne savent pas quoi faire, comment, et qui sont assez excitées là. Oui, elles sont très excitées. Elles nous posent beaucoup de questions. Elles ont rempli leur formulaire. Celles qui n'ont pas encore 18 ans, les parents ont signé l'autorisation. Ouais. Ils nous les ont envoyées. Elles sont très excitées. Elles ont hâte de pouvoir faire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore 18 ans dans la dizaine? Non. On en a, je pense, 4 pour le moment. Okay. Les autres ont 18 ans et plus. Et, mais les 4, non, 5, excuse-moi. C'est 5 filles qui n'ont pas encore 18 ans parce que le concours est ouvert à partir de l'âge de 16 ans. Mais les parents ont signé. Okay. Les parents m'ont appelé pour avoir des détails, comment ça fonctionne, comment les filles vont être encadrées. J'ai très bien expliqué aux parents que les enfants, vous allez faire partie intégrante du concours aussi, parce qu'on va avoir besoin de vous. Non seulement au niveau de l'encouragement de leurs jeunes filles, mais aussi au niveau de l'encadrement, parce qu'elles vont avoir des devoirs à faire quand on est à la maison. Elles vont avoir des pratiques à faire. Et c'est important que les parents soient très bien impliqués. Des pratiques au niveau de la diction. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je participais à Miss Haïti Canada, c'est ma mère qui me faisait réciter mes textes. Ah oui. Tu comprends? Okay. Ma mère m'assoyait dans le salon, elle invitait tous les voisins du quartier et tout le monde venait s'asseoir. Ah, il y avait un public là. Ouais. Oui, un vrai public. Les, okay. les voisins du quartier, venez vous asseoir, Carline va réciter son texte. Et moi, j'étais debout devant le quartier et je récitais mon texte par cœur pour être sûre que je ne fasse pas d'erreur. Ah, ça, c'est un bon conseil hein, pour les candidates, ça. Définitivement, les parents, c'est la clé du succès, c'est les jeunes filles. Mm-hmm. Tu comprends? Sans les parents, c'est l'encadrement. La mère, le père, c'est très important de les avoir dans l'environnement de la jeune fille pendant tout au long du concours. Mm-hmm. Et même après, après le concours, parce qu'on va avoir besoin d'eux. Quand on va partir avec leur jeune fille, il faut qu'elle soit capable, il faut que les parents soient capables de pouvoir nous faire confiance et de savoir que leurs jeunes filles sont entre de bonnes mains. Okay. Tu comprends? Okay. C'est ça mon objectif à moi. Parce que quand j'ai gagné tous ces concours-là, j'ai travaillé fort pour rester dans la communauté, j'ai travaillé fort pour me faire connaître. J'ai pas vraiment eu beaucoup d'aide des organisateurs des concours, sauf Miss Black Québec, qui eux autres m'ont encadré très serré. J'avais une marraine, j'avais une...
qui mm-hmm. me suivaient partout où j'allais. Et j'ai été très encadrée à Miss Black Québec, qui est un concours quand même dans le milieu anglophone. Et c'était la première année où une francophone remportait le prix. Ouais. Et Miss Black Beauté, quels sont les prochains défis là, pour l'organisation du concours? Qu'est-ce qui manque? Bien, c'est sûr qu'on est en train de travailler sur le concours. Les juges, on a décidé de prendre 7 juges. On en a 5 qui sont recrutés. Il en manque encore 2. Okay. On choisit la crème de la crème au niveau des membres du jury. Ouais. On travaille. Vous pouvez me citer quelques noms déjà? Non, ça reste une surprise. Je n'ai pas le droit de parler des juges jamais de la vie pour éviter les partis pris. Tu comprends? Okay. C'est très important que ce soit neutre, que ce soit transparent. Okay. C'est pour ça qu'on évite de donner des noms des juges, ça reste un secret pour nous. Ok. Et rappelez pour les lecteurs de Intexto, où ce concours va avoir lieu? Pour le moment, ce qui a été retenu, c'est le théâtre Leonardo da Vinci à Saint-Léonard le 29 août. Mais avec l'engouement qui vient de commencer, avec le grand engouement, on a une... probablement un changement très, comment majeur. Dire, mais majeur qui va se faire. Probablement, ce n'est pas encore certain à 100%, mais on va se diriger à un endroit beaucoup plus grand et beaucoup plus prestigieux que le théâtre. Parce qu'il risque d'y avoir du monde. Oui, il va y avoir beaucoup de monde. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'activité. Ça va être l'élément, la soirée glamour prestigieuse de l'année 2015, et ça, je le garantis. Merci beaucoup, Madame Joseph. De plaisir.